Salut YouTube. Bumble live in a box behind house on hill. Bumble have trash, Bumble have coin, life good. Bumble happy. Et moi aussi. That till Bumble hear voice from above. Whoosh. That nice coin you have there, Bumble. Whoosh. That not you coin, whoosh. Bumble yell. Go away from it. Suddenly bad guys come and take coin. Then vanish down hole. Nous sommes sur The Legend of Bumble. Grab trash, jump down hole after coin. Monster, try and stop Bumble, but Bumble's smart. Bumble sensationnel. Trash and fist, fight them. Yes. Nothing stop Bumble. Bumble, what? Coin. What's coin? Et nous sommes sur The Legend of Bumble. Le nouveau jeu d'Edmund Macmillan, le créateur de Binding of Isaac. Le jeu qui vient même pas de sortir. Bon, sensationnel. C'est sensationnel. Y a pas d'autre mot que sensationnel, effectivement. Merci Fredo Mercure, merci beaucoup pour le Twitch Prime, merci également Mister Meux pour l'abonnement. Bah, j'ai voulu laisser un maximum l'intro quand même, parce que voilà, ça fait plaisir. Bon alors, c'est une préquelle à The Binding of Isaac, il faut le savoir. C'est canoniquement passé avant The Binding of Isaac, cette histoire. Et du coup, le jeu, là, actuellement, nous sommes en Early Access. Le jeu sort demain. Alors, à vérifier, regardez sur Steam s'il est encore à 15% avant la sortie. Parce que si jamais le jeu vous intéresse, dites-vous que si vous voulez l'avoir un tout petit peu moins cher, vous pouvez l'avoir moins cher en le précommandant. Mais, bon, vous avez peu de temps pour le faire, quoi, du coup, parce que le jeu sort demain. Mais voilà, nous avons devant nous The Legend of Bumble, et commençons sans plus tarder, parce que sinon on va s'emmerder. Je vais expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, pourquoi j'ai joué avant tout le monde, enfin avant tout le monde, pas avant tout le monde. Mais voilà, on va tout expliquer. En attendant, c'est le tuto dès le départ. Alors faut savoir que, comme le jeu est en Early Access entre guillemets, c'est pas la version finale. Il va peut-être y avoir quelques trucs qui vont changer lorsque vous aurez le jeu final, d'ici les prochaines parties. Mais en attendant, voilà, on va se débrouiller avec ça. Alors, frappe-moi avec des os, kid. Frappe-moi avec des os. Je te donne juste un move point. Alors, les move points, c'est ça. Et si tu alignes 4 ossements, tu pourras lancer un os. Et attention, bim. Alors, c'est un jeu de gem matching RPG. C'est un concept assez cool. J'aime bien l'idée. Je pense que ça existait déjà. Mais je n'avais encore jamais joué à un jeu du genre. Mais j'avoue que j'aime bien les gem matching. J'aimais bien les BJ Well de ce genre de jeu à la con. Vraiment pour se détendre. Sauf que là, ça va pas du tout me détendre. Là, ça va me tendre plus qu'autre chose parce qu'il y a l'aspect RPG derrière. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Du coup, attention, si on lance des dents, on fait mal. On fait mal avec des dents. Si on aligne 5, ça fait plus mal. Là, au lieu de faire un dégât, ça fait 3 dégâts. Avec une dent. Bim. Il va y avoir un seul DLC comme pour Isaac, bien sûr. Déjà avoir la durée de vie de ce jeu. Bon, ensuite là on peut faire des combos hein, si on veut, on peut lancer dents et os. Tac, voilà. Donc on commence par la dent, puis ensuite par l'os. C'est comme ça qu'on attaque les ennemis, on verra un peu par la suite comment ça se passe hein. Le tuto je vais le faire assez rapidement histoire qu'on s'emmerde pas. Mais ça va être terrible. C'est Candy Crush. C'est un peu Candy Crush hein, finalement. J'ai jamais joué à Candy Crush de ma vie. J'ai jamais joué à un seul jeu Facebook de ma vie. Alors, oui, alors attention cette fois-ci c'est à lui de nous taper. On va pas le laisser faire, regardez, on peut utiliser ça, alors, je rappelle, hein, on peut matcher que par 4 minimum, pas 3, pas 2, pas 1, parce que du coup c'est pas un jeu de matching, mais c'est 4 minimum. Donc là, ce qui était marrant, c'est que c'était mis comme ça, on se dit, oh mais comment on fait pour les mettre ensemble? Il suffit de tourner comme ça, ça nous montre la mécanique. Et bim, attention, on lui balance ça, et donc, la morph, quand on lui balance, que ça fait, c'est que ça, bim, ça empêche un mouvement. Donc si jamais j'avais eu, imaginons 5 morves, j'aurais pu lancer 2 morves et l'empêcher de faire 2 actions. Donc j'aurais carrément skippé 2 tours au lieu d'un, ce qui est sympathique. On dirait un jeu mobile, et alors, les jeux mobiles sont des jeux comme les autres. Ce sont de très bons opérations sponso sur YouTube. Et donc on découvre ensuite l'autre mécanique, le caca. Sinon ce serait pas un jeu The Binding of Isaac s'il n'y avait pas de caca, excusez-moi. Donc si on a une du caca, qu'est-ce que ça fait? Tac, on met une petite ligne de caca. Et lorsqu'il l'attaque, en fait, ça fait un bouclier, tout simplement. Et donc, il vient littéralement de taper dans du caca. Il est pas très content. Et du coup, il faut juste qu'on en vienne à bout, cette fois. Il faut le tuer. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il nous avait pas encore montré pipi, donc je vais vous dire ce que fait le pipi. Le pipi, hein. Le pipi caca, c'est Isaac, hein, les gars. C'est Isaac. Faut pas chercher plus que ça. Du coup, le pipi, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça redonne un mouvement. Donc, si on aligne 4 pipi, bah, ça fait juste un... C'est, on perd un move pour regagner un move, c'est pas ouf. Mais on gagne du mana pipi. Excusez-moi.
le mana pipi, on va faire le mana caca, le mana pipi, ça va être ça tout du long. C'est Isaac, faut vous y faire. Mais ce sera intéressant du coup lorsqu'on aura les utilisations de mana, lorsqu'on aura des spells, comme on dit. En attendant, on n'en a pas, donc c'est moins intéressant, effectivement. Bon, hop. Je prépare mon prochain move. Tac. On va lancer un os. Et on va en finir avec ce petit tutoriel. C'est quoi ce jeu en mode de Isaac? Oui, c'est un mode, ça se voit que c'est un mode. C'est pas un nouveau jeu. Et donc là il y a une attaque, comme ça, ça nous montre qu'on peut se faire attaquer, on perd un demi-cœur à chaque attaque. Pour l'instant j'ai jamais vu une attaque qui faisait un cœur de dégâts. Faut savoir que j'ai déjà un petit peu joué au jeu, j'ai refait 3 parties. Hein. J'ai pas eu le temps de faire plus, hein, j'ai pas vous mentir avec tout le travail que j'ai en ce moment. Malheureusement j'ai pas pu en faire plus. Mais c'est déjà cool d'avoir fait 3 parties. Et donc voilà, le tuto est terminé, on sait comment ça se passe à peu près, enfin je crois. Ah non c'est pas fini, bah du tout, excusez-moi. C'est vrai qu'on peut regagner de la vie, il y a aussi des gemmes de vie, alors c'est très rare les gemmes de vie. On va pas en voir beaucoup. Mais on va en voir de temps en temps, et si on fait ça, bah du coup on gagne un demi-cœur lorsqu'on en a 4. J'imagine que si on en a 5, on gagne un cœur complet, etc. Bref. C'est sympathique. Et du coup, oui, il nous montre notre premier sort, le sort de base de Bumbo. Donc regardez, le fameux mana, lorsqu'on aligne 5 os, non seulement déjà on va pouvoir faire 2 attaques de lancer d'ossement. Regardez, zbim. Et zbim. Mais en plus, du coup, on a accumulé 5 os mana. Des manas de l'os, et du coup on peut utiliser l'attaque Bumbo Smash. C'est pas le Hulk Smash, c'est le Bumbo Smash. Et voilà, et ça fait très mal le Bumbo Smash, faut le savoir. Et du coup qu'est-ce qu'il y a? Ah du coup c'est fini, oui voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est fini. Et du coup voilà, nous sommes donc enfin sur The Legend of Bumbo. Vous avez les bases du jeu entre guillemets. Bien sûr, on va tout découvrir entre guillemets. Alors je pense pas que ce soit le menu final du jeu. À voir. C'est juste que je rappelle que le jeu est en early access, pour ma part. Il sort demain, il sortira en version complète. Je suppose qu'ils ont fait un menu très simple, alors peut-être que ce sera ça le menu de base, hein, je sais pas. On verra. Et on est 400 téléspectateurs. 400 millions, attention. 400 millions de viewers. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, on va pouvoir commencer à lire un peu le chat. Hein. Là, j'étais un petit peu en mode tuto, tout ça, présentation. Et du coup, let's go. Alors, il y aura plusieurs personnages hein, dans le jeu. Ça c'est sûr, mais en attendant, on a que Bumbo the Brave. Toujours déjà, dans l'esprit du plaisir. Déjà, du plaisir, ça c'est sûr. Merci pour les 7 mois d'abonnement. Allo, pipi. Wow. Merci. Ah, vous savez pas à quel point je suis content de jouer. De jouer à ce jeu. Et donc, c'est lundi. Le Bumbo Dead qu'on appellera le Bumbo de ses morts. Éventuellement. Blue Enemies are resistant to spell attacks. Ah, c'est bon à savoir ça. Parce que alors ça c'est un truc qui est sympa, c'est qu'il y a des petits hints dans les loading screens, des petits secrets comme ça qu'on peut pas forcément savoir. Mais du coup quand tu le sais pas t'es dans la merde. Hein. Vraiment j'ai eu des situations dans lesquelles je savais pas ce que faisaient les ennemis, on était dans la merde. Mais là, ça devrait aller dans le premier étage. Normalement je connais à peu près tout le monde. Okay. Merci Ruidash pour le Twitch Prime. Des bisous. Alors je récapitule hein, comment ça va se passer. Avec Bumbo, je commence avec 2 mouvements, donc je peux faire 2 moves, seulement 2 moves. Et j'ai mes 2 spells, donc avec 4 os, je peux faire le Bumbo Smash qui fait très mal. Et avec 2 dents, je peux reroll tout le board, c'est-à-dire que ça va me redonner une autre configuration. Ce qui peut être utile dans certains cas. Alors, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Soit je prépare un gros move, soit je me barricade. J'ai envie de préparer un gros move, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment? Ah c'est relou. Ah trop relou, en plus j'ai explosé mon forfait mobile. Oh je vais quand même préparer un gros move. Parce que là actuellement ils attaquent pas. Ah il vient de faire, ah merde. Alors lui ce qu'il vient de faire, il vient de faire un nuage de poison. C'est à dire que si j'attaque dans cette direction là, le nuage de poison va venir m'attaquer moi en retour. Donc il faut pas que je l'attaque lui. Du coup je crois que je vais le goumer lui. Je vais faire ça. Tac. Je vais mettre la maman à l'abri. Tac, je vais faire un petit caca ici, comme ça. Il me fera pas mal. Ah, il a chié un truc. Je savais pas qu'il pouvait chier un truc. Merde. Je me suis fait eu. C'est pas grave. Allez, le gros move, les 5 os. Pas le move du... Oh, le pipi. Oh, le pipi. Ça fait plaisir, le pipi. Tac, allez, on balance un petit os. Toi, tu vas manger tes morts. Et toi, tu vas manger tes morts. Voilà. Qui je tue en premier? Je crois que je vais tuer le caca. J'utilise direct mon spell, comme ça je suis tranquille.
Alors, c'est Paper Isaac. C'est un peu ça. Hein. Vraiment, le style en carton, moi, personnellement, je trouve ça super stylé. Et puis, ça va bien avec Bumbo. Hein. Bumbo, c'est quand même le gros clodo de base. Et du coup, il est dans son carton. Moi, je trouve ça super rigolo. Après, voilà. C'est le style plaît aux gens, le plaît pas aux gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais être tranquille. Voilà. Alors, les pièces en étoile, ça veut dire que tu peux match avec n'importe quoi. C'est plutôt sympathique. Et du coup, hop là, je lui en balance de la gueule. Comme ça, deux tours à me laisser tranquille. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Est-ce que je prépare un gros truc? Ça sert à rien là actuellement. J'ai juste à le tuer. Hein. Bon, du coup, je vais quand même préparer un truc sympa. Attendez une seconde. Bon, bah. Tac. Voilà. Ça veut faire 3, c'est ça? Oui, voilà. Lorsqu'on aligne 5 os, on peut faire 2 attaques d'affilée avec un os. Pas très mal, mais ce qui peut être sympa. Et lorsqu'on aligne 5 dents, par contre, au lieu de faire un dégât avec la dent, on fait 3 dégâts avec la dent. Donc les attaques sont un petit peu différentes. Et donc, première salle de trésor. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Flip, rerolls any tile. Ah ouais, pas ouf. Ah, cela dit, ça peut être. Ah, stratégiquement, ça peut être rigolo. Mais sinon. Ah ouais, sinon, ça me soigne d'un cœur. Ah, ça peut être bien. Se soigner. Ah, flip, ça peut être rigolo, hein, cela dit. Flip ou lard. Alors les deux sont sympas hein, en vrai. Bon, je vais pas commencer à vous demander votre avis. Hein. Pas tout de suite. Plus tard, hein, lorsqu'on aura un peu plus poncé le jeu, je pourrai commencer à vous demander votre avis. Mais là, vous connaissez pas le jeu, donc c'est pas genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a un chapeau? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a un chapeau, le caca. Il est pas censé avoir ça. Je suppose que c'est un truc spécial. Très bien. Bonsoir. Bah du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là? Attendez. Je regarde si je peux pas faire un move cool. Malheureusement non. Je serais bien dans l'idée de tuer le petit caca direct, comme ça je suis tranquille. Mais en même temps... Bah je vais me protéger. Parce que je sais pas ce que ça fait lorsqu'il est... Lorsqu'il a ça sur la tête. Et eux, je pense qu'ils vont bien m'emmerder. Je prépare mon prochain tour en faisant ça aussi. Donc ça, hop. Tu me laisses tranquille. Ok, donc là il va m'attaquer. Très bien. Du pipi. Si je fais ça, je suis comment pas. Donc ça fait quoi si je le tue? Bon, ça fait rien. Bah je sais pas à quoi ça lui servait d'avoir son petit chapeau, mais rien finalement. C'est Diableman, salut à tout le monde. Et merci encore à ceux qui sur Twitter m'ont aidé à avoir le jeu en avance, parce que oui c'est vrai que c'est grâce à vous, hein, mine de rien. Merci beaucoup, hein. Merci à tous les messages que vous avez envoyés à Matt Millen lorsqu'il a sollicité les gens. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux... Bon ça j'ai les 4 dents qui sont alignées, c'est sûr. Comment il vaut mieux que je prépare le terrain? Bon, comme ça c'est bon. Comme ça je pourrais faire du caca après. Je vais aller là. Et je vais en profiter pour buter avec ça. Allez! On est tranquille. N'hésite pas à baisser le son du jeu, on t'entend pas, je gagne bien. Ah, j'ai déjà baissé le son du jeu pourtant, vous êtes sûr? Vous confirmez qu'il faut que je baisse le son du jeu ou pas? Dites-moi. Vous me le dites. Encore un caca. Ah mais j'ai pas de caca du tout moi. Un chouïa un peu, non, oui, pas besoin. Bon, il y a quand même quelques-uns qui demandent un chouïa, donc on va baisser un petit peu. Juste un poil. Normalement là comme ça c'est bien. C'est le même diable que Isaac et Meat Boy, oui, c'est dans le même univers que The Binding of Isaac. C'est Nude Macmillan qui l'a développé ce jeu encore une fois. Et ma foi, ça fait plaisir. Bon alors, il faudrait que je fasse des os. Des os, pas des os. Hein. Et tac. Hop, comme ça je tue le petit caca. Toi je vais te foutre un Bumbo Smash. Tac, tu te calmes. Je vais reroll comme ça, on sait jamais. Peut-être que je peux avoir un... Parce qu'en fait quand on reroll, des fois on peut avoir directement une génération de lignes aléatoires.
peut y avoir des trucs qui se génèrent et ça fait plaisir. En l'occurrence, là, j'ai rien eu, mais ça aurait pu être le cas. Bon, de toute façon, il va rien me faire. Ah, c'est chiant. Trop relou. En plus, j'ai explosé mon forfait mobile. Tiens, je vois ça. Est-ce que ça va sensationnel. Ça active pas le petit merdier. Merci, GLQC, pour tout crime. Merci beaucoup. Dommage qu'on doit forcément faire des lignes droites. Si on devait faire des diagonales, je pense que ce serait vraiment trop le merdier, il y aurait trop de combos. Trop de combos possibles, je pense que ce serait vraiment très très fort. Du coup... Pour l'instant, je veux pas l'attaquer parce que sinon je vais me prendre le contre-coup du poison. Donc je vais juste l'immobiliser. Tac. C'est bon ? Merci. Alors, maintenant je peux le goumer. Je peux faire un truc stylé. J'ai envie de faire un truc stylé. Où j'attends le prochain tour. Parce que là il peut rien faire. Regardez. Tac. Non. Voilà. Bim. Un aliment de 7 dents. Ça, ça va faire mal ça. Ah, je savais pas que ça faisait ça, tiens. Ah, donc quand on fait 7 dents, c'est on a un truc qui fait mal à tout le monde. Ah, c'est bien ça. Ouh. Oh, c'est bon à savoir, hein. Eh, on aime bien. Ok, aspirateur. Bah, écoute. Un plaisir, des bisous, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le petit logo DJ Mario. C'était bien toi, hein, il me semble. Bon, les Satos, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula. Deux grosses mouches qui vont certainement spawner des mouches. J'espère pas, mais je crois. Et ceux-là, ils sont relous. Très très relous. Parce qu'ils peuvent aspirer notre mana. Ce qui fait que quand on a du mana, des fois, ils font non, en fait. Non, tu n'as pas de mana. Je peux faire quelque chose de sympathique là. J'en veux chier. Je vais préparer un joli move, c'est sympa, mais après, est-ce qu'on peut le faire? C'est compliqué là, il n'y a pas grand chose à faire. Ah oui, on conserve pas son mana d'un fight à l'autre aussi, donc là je suis à 0 partout. Ce qui est un petit peu relou, mais bon, bah c'est comme ça. Je pense que c'est plus équilibré comme ça parce qu'il y a des fights, sinon on pourrait infiniser l'ennemi et préparer énormément de mana et après on serait trop fort. Bon, je vais faire ça. Et ça. C'est pas forcément le meilleur move de ma carrière, mais... Est-ce que j'ai vraiment une carrière dans l'histoire? C'est ça qu'on peut se demander. Je m'occupe de l'eau en premier. Et voyons voir, est-ce que... Ça m'intéresse ce que j'ai là. C'est vraiment de la merde ce que j'ai, donc je vais hop, reroll, en espérant avoir quelque chose. J'ai rien. Qu'est-ce que j'aurai au prochain tour? Est-ce qu'au prochain tour j'aurai quelque chose d'utile? Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. De ce que j'en vois. Alors oui, du coup, ça va être un jeu où on va un peu plus réfléchir. Hein, que juste Isaac. Vas-y, je relance. Ah bah, j'ai rien eu. Je suis triste. Oula, donc lui, il va m'attaquer, lui, il va m'attaquer. Imaginez des lignes de 9. Je sais pas si c'est possible de faire des lignes de 9. Ah, ça doit être... Non, bah non. Attends. Ah, ça doit être techniquement possible. Ça doit être techniquement possible, mais ultra dur à faire. Ultra dur à setup. Mais effectivement, c'est techniquement possible. Je regarde si je peux pas faire un combo rigolo, mais... Ouais, non, c'est dur. Bon, je vais faire ça pour... Allô ? Oui. Tac, je regagne mes deux mouvements grâce au pipi. Si je me rappelle, nous redonne de l'énergie pour les mouvements. Est-ce que ça m'a débloqué quelque chose de sympa? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que je peux me faire une barrière de caca au moins? Même pas. Ah si, mais ça me prend de mouvements, quoi. J'ai connu plus ouf hein, dans ma vie. Est-ce qu'on s'emmerde? Je vais me protéger, hein, si je vous le dis. Faire ça comme ça sera mieux. Protéger de lui. Mes premiers dégâts. Quand tu as 5 pipi, ça te donne 2 moves. Oui. Quand on en a 6, ça donne 3 et ça recharge des items aussi. Ce qui est pas mal. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'item à recharger, mais. C'est pour dire que ça peut être sympa. Quoi. Bah non, ça me va pas ça. Putain, on peut rien faire d'incroyable là. Hein. J'ai pas un bon rôle là. Hein. Bon, il faut que je tue. Faut que je tue ici.
Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, je vais tuer la petite mouche là. J'ai tué le gros. Voilà. Parce qu'il m'a drainé mon mana. Allez, donc, une particularité de Bumbo qui est assez sympa. Lorsqu'il perd un cœur entier, il a un damage up. Donc, moins il a de vie, plus il est fort. Donc là, mes attaques standards sont plus fortes. Ce qui peut être utile. Je pouvais faire 5 os. Après, est-ce que c'est... En 2 tours, t'es sûr que je pouvais faire 5? Ouais, c'est possible, hein. C'est pas facile de tout voir hein, dans ce jeu-là, surtout que j'ai essayé de pas réfléchir 5 ans. Parce que si je réfléchis 5 ans, c'est chiant pour vous aussi. Bon, je vais empêcher lui de m'emmerder, déjà. Déjà, au moins, c'est un tour tranquille où personne n'attaque. À la limite, je peux essayer de setup quelque chose. C'est compliqué, il y a vraiment rien à setup, hein. J'ai vraiment rien d'intéressant, là. J'adore rire. Je vais juste setup mes os. Reste concentré, je me réabonne vite fait. Merci, Rajidik. Merci beaucoup. Du coup, maintenant qu'on a plus un d'attaque, l'os fait 2. Ce qui est sympathique. Et on fait un petit Bumbo Smash. Et toi, tu me fous la paix. Voilà. Ah, en vrai, non, je suis con. J'aurais plus forme de la vie. J'aurais plus forme de la vie contre lui, mais c'est pas grave. Coin roll. Plus 1 coin, je m'en fous. Lithium batterie, 2 mouvements. Ah, c'est pas trop utile ça pour nous sauver la vie en cas de. En cas de coup dur. Ouais, coin roll, je m'en fous. Bumbo vs The Duke. Ah, je l'ai jamais combattu lui. Cool. Ok. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a des boss différents selon les. Selon les étages, on peut avoir des boss différents comme dans Isaac. C'est cool ça. Ok, ok. Alors, le Duke, je sais pas du tout ce qu'il y a à faire. Bon, il va certainement spawner les. Spawner les... du merdier à l'infini, hein. Connais le petit bâtard. Ok. Je vais setup un truc rigolo. Je vais voir ce qu'il fait au prochain tour. Ah! Du coup, je suis pas forcément content. Du coup, j'ai setup un truc rigolo, mais à quel prix? Hop! Hop! Ah, je croyais que ça a rechargé les batteries. Du coup, je me suis fait avoir. Oh, je me suis fait avoir mon propre jeu. Oh, très bien. Par contre, j'ai une petite combo sympa, là. Bim, bim. Ça fait plaisir. Ok. Hop. Je te tue. Je te tue. Et toi, le duc, tu bouges plus. Alors, faut savoir que là, ça veut dire qu'il a 2 mouvements. Donc, ça veut dire que ma mort va lui entraver un mouvement. Et le point d'exclamation, ça veut dire qu'il attaque. Donc, il va quand même attaquer après. Donc, à moins que je trouve un moyen de l'entraver ou de me mettre à l'aise, je vais prendre cher. Attendez, est-ce que je peux pas le tuer? Parce que là, je fais 4. Mais j'ai plus de moves encore. Ah, quand j'utilise ça, j'ai plus de moves toute ma vie. Ah, mais c'est complètement goldé. Très bien. Et du coup, je pense que je peux le tuer. Ouf. Ah, mais il a rien pris. What? Il a rien pris du tout. Je suis dingue. Bon, c'est pas grave, il fait rien. Enfin, il fait rien. Il m'emmerde quand même, mais il fait rien. Ah si, je vais quand même me prendre un dégât. Ah, je suis ultra dingue. Pourquoi lui, ça avait pas fait mal? Je comprends pas. Il y a des choses qu'on apprend avec le jeu, hein. Peut-être que le fait qu'il vole, par exemple... Ah mais là j'ai que 2 mouvements, bon je sais plus. Voyons voir. Du coup, là, il va peut-être attaquer au prochain tour. Est-ce que je peux le tuer là? Il a combien de vie? Il a encore 10 de vie, c'est chier. Que je prépare des ours. Je regarde vite fait. Ouais, c'est pas fameux là. Je vais l'achever. Normalement, je le tue là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Putain, je vais pas le tuer à un coup près. Allez.
On chante ma chance. Hein. Coucou. Tu vas voir quelque chose qui va se faire tout seul. Après, cela dit, je crois qu'il va pas attaquer là. Ah, il l'attaque pas, mais il fait chier. Très bien. J'aurais peut-être dû tenter de le tuer avant. Bon, il faut que j'attaque. Il me faut des os. Pas d'os. Coucou. Toujours pas d'os. Mais en fait, je crois que le reroll, ça replace les trucs à des endroits différents, non? Je suis pas sûr que ça fasse des mouvements. Attends, c'est pas parce qu'il est back. Ah, peut-être c'est parce qu'il était trop loin, ouais. Du coup. Ah zut, je pensais vraiment l'avoir. Zut. J'ai que deux moves là. Faut que je move intelligemment. Écoutez, c'est pas facile la vie. Chaîne de vie. La musique de fête est stylée, oui, elle est stylée. Effectivement. Oui, je sais que je peux faire une dent, mais j'essaie de voir si je peux pas faire mieux qu'une dent. Il va falloir que je me rende à l'évidence que non. Du coup, je vais me prendre l'attaque de Michel Drucker, là. Cela dit, je vais quand même faire ça. J'ai beaucoup de caca sur le terrain, il y a peut-être moyen que je fasse une ligne avec le caca. J'ai dit, il y a peut-être moyen, j'ai pas dit qu'il allait forcément le faire, mais... Eh ben, je me fais baiser. Oh là là, je prends cher. Oh non! Oh, trop relou! Trop relou! Oh, en plus, j'ai explosé mon forfait mobile! Putain, comment je vais faire? Moi, je me suis foutu dans la merde. Avec un bon personnel de merde, en plus. On est en World Premiere, oui. Oh, merde. Bon, je peux faire du caca pour me protéger, mais... C'est pas ouf, moi. Moi, je veux me débarrasser de mes ennemis, en fait. C'est ça que je veux faire dans ma vie. Attendez. Oh, parfait. Je voulais ça, justement. Super. Bumbo Smash, ça sert à rien, là, tout de suite. Oh, quel casse-couille. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la barbe à merde. Je vais faire ça pour me protéger. Ah, merde, ça fait juste un... Ah, ça en fait pas deux, ça fait un caca qui protège de deux. Oh no! Oh no! Aïe. Attendez. Je rappelle, hein, le jeu vient de sortir. Tu te calmes. Oh, mais il leur fait encore. Bon, si au prochain tour j'arrive pas à niquer cette ligne de mouche, je suis mort. Quand on veut dire que je suis mort. Il faut se rendre à l'évidence, hein, quand on est mort, on est mort. Hein. J'ai pas assez d'os. Tu peux te heal. Bah, ça sert à rien. Parce que je me heal de 1 et je perds un move. Là, je vais me prendre au moins deux attaques dans la gueule. Deux attaques, c'est un cœur entier. Du coup, c'est chaud. Super histoire, Giacialo. Enjoy ton ban, hein. Oh, merde. Ah, j'ai le seum. J'essaie de regarder s'il y a pas une entourloupe possible, mais... 5 pipi, il y a 5 pipi possibles, là. J'essaie de voir, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie de voir comment le faire, mais... Je trouve pas comment le faire. Non, le punch ne transperce pas. C'est bien ça le problème.
Comment en faire 5 là? Attendez, j'essaie de comprendre comment vous voulez que j'en fasse 5. J'espère qu'il va sortir sur mobile. Je crois que c'est prévu qu'il sorte sur mobile. Comment vous voulez faire un 5 là? Je vois vraiment pas comment faire. En deux moves, je peux faire ça. Parce que 5 pipi en plus, ça sert pas énormément, mais. Ah non, mais non! Mais vous avez pas compris, hein, cette ligne là, on peut pas l'utiliser. Ça nous montre ce qui tombe au prochain. Là, si je mets un pipi là, ça fait 4. Ça fait pas 5, hein. Ça sert à rien. Cela dit, je vais le faire, parce que de toute façon, il faut que je me débloque. Là, j'ai visiblement pas grand chose à faire. Donc peut-être que ça va me débloquer, ça va me permettre de faire autre chose de plus sympa. Mais la ligne en haut ne compte pas, hein. Oui, c'est ça. En fait, vous vous prenez pour des génies, alors vous ne comprenez pas les règles du jeu. C'est ça le problème, quand le jeu est nouveau. On peut pas vous en vouloir. Mais voilà. Ça voulait juste dire qu'il y avait une goutte qui allait tomber en premier ici, quoi, par exemple. Ouais. Bah, du coup, ça m'a pas du tout débloqué, hein. Quel plaisir! Eh bien, c'était un plaisir de jouer à The Legend of Bombo. Première partie qui se passe mal. Puis regarder qu'est-ce que je peux faire pour me sauver de cette situation de merde. Le problème c'est que. Ah non, c'est compliqué là. J'ai pas le choix. Hein. Vas-y, bourre l'arène. Tac, on va faire Bombo Smash ici. J'ai pas le choix, ça m'énerve, mais j'ai pas le choix. Peut-être encore une chance de m'en tirer. Ah, c'est mort. Yes, ça quel plaisir. Ça va, je me sens pas du tout en danger. Putain, et les os quoi. Les os qui ne sont pas du tout en osmose. Pas du tout bien alignés ces os. Je peux me soigner un cœur, incroyable. La vie de ma mère que je vais faire. Hein. J'ai pas le choix. Ah non, c'est un demi, c'est vrai. Des bonnes barres. Bon, je suis mort. Enjoy. Enjoy Phoenix. Quoi, il a raté. Je savais pas qu'il pouvait rater, moi, les ennemis. C'est l'ose, hein. Très bien. Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Non. Est-ce que ça me permet de me sentir en sécurité? Pas du tout. Je réfléchis. Comment est-ce que je peux avoir des os là? Il y avait un caca, il a pas raté. Ah, il y avait un caca. Ah oui, j'ai oublié. Attendez. Si je fais ça. Si je fais ça, ça fait quoi après? Ça fait pas grand chose d'intéressant. Ça après moi, comment dire, ressemble à quoi? Fous-moi la paix. Peut-être une chance de m'en sortir. Ou si un film soit-elle, je la prends. Cette chance, je la prends. Sauve-moi la vie, s'il vous plaît. Attendez. J'ai pas le choix. Si je fais ça. C'est pas ouf. Alors que si je fais ça. J'ai une grosse dent, mais la grosse dent, ça sert à rien. Merci Zorine pour les 12 mois. Joyeux abonnement. Joyeux anniversaire. Parce que là, je peux faire une dent à 5, c'est pas énorme. Surtout que ça sert à rien. Oh, j'aimerais faire des. Est-ce que ça me permettrait au prochain tour de faire des gros os? Pas vraiment. Ça le problème, j'aimerais faire plein d'os. Parce qu'en fait là ce qui me sauverait c'est de faire un os genre de. J'ai peut-être gagné. J'ai peut-être réussi. Je m'explique. Explication. Ah merde. Bah non, j'ai pas encore perdu.
J'avoue avoir été surpris. J'avais oublié que j'avais qu'un seul move. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Je maîtrise cette situation. Et normalement là c'est bon. Par pitié, dites-moi que c'est bon. De toute façon c'est ça ou je suis mort. Donc là, si jamais je le tue pas. Si jamais je le tue pas, c'est fini. Est-ce que je peux faire autre chose avec mon board? Rien. Je ne peux rien faire. Par pitié, dis-moi que ça le tue. Oh, je savais que ça faisait ça en plus. J'avais juste un espoir. Je vais tenter ma chance, hein. Le problème, si je fais ça, je le tue pas. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, il a encore... Il a encore de quoi... Il a encore une phase où il rapetisse. C'est pour ça que je fais attention là. Putain, je suis en train de me suer. Est-ce qu'il va revenir? T'en as raison, j'essaie de préparer un truc pour le tour suivant éventuellement, mais... C'est boss 1000 fois plus chiant sur Bombo Kizaka. Ah bah clairement. Clairement. Est-ce que j'ai un tour intéressant au prochain tour? Pas vraiment. Allez. Fais-moi un miracle. Toujours rien d'intéressant. C'est bon. Salut à tous. On aura ça y est, hein. Putain, tout ça pour ça. J'ai le seum. Allez, on en refait une. On en refait une, on s'arrête pas là-dessus. Mais j'avoue, j'ai le seum. On aura fait ce qu'on pouvait, hein. Bon, il est très très chiant, Duke of Lies, hein. Ah, c'est comme dans Isaac, hein. Quand on croise un boss pour la première fois, on sait pas ce qu'il fait, et du coup, on est mort. Ça arrive, hein. La mouche, il peut pas t'attaquer comme il est petit, c'est ça? Bon, en fait, le problème, c'est que je crois que pour réussir à l'avoir, il faut le faire devenir petit et ensuite le bourrer. Je sais pas exactement comment il fonctionne parce que c'est la première fois que je le vois, donc j'ai pas trop compris justement ce qui m'arrivait. Allez, du coup, il va falloir qu'on recommence. Ah là, quel enfer! Dire que j'avais réussi à aller au troisième étage au bout de ma troisième partie. Et là, il a fallu que je tombe sur un boss que je connaissais pas. Alors, oh là, encore plein de merdier à l'écran. Ce serait bien de faire plein d'os là. On va faire plein d'os pour le prochain tour, ça va être pas mal. Tiens, on va faire ça. Tac. Tac. Attention, je te mords. Voilà. Bumbo Smash. Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié cette règle du jeu! Alors ça, vous voyez, c'est un truc qui est vraiment chiant parce qu'on te l'explique pas. Mais quand il y a une mouche au-dessus d'un ennemi et qu'on attaque un ennemi, ça attaque d'abord la mouche. Et ça, je l'avais totalement oublié. Parce que le jeu est récent, je le rappelle. Du coup, super. Super le jeu de nous l'apprendre comme ça. Hein. Ah, c'est comme Isaac, hein. T'apprends en te faisant bourrer. Hein. C'est le même esprit. Hein. Macmillan là-dessus, il changera jamais. Macmillan, il changera jamais là-dessus. Bon, normalement, une danse, elle devrait le tuer. Allez, hop. Je fais deux, voilà. L'amour. Ah, j'ai un peu le seum. Je vais prendre ça, quand même. C'est chiant. Quand les ennemis vont attaquer, ils font littéralement le bruit d'une vieille Peugeot qui démarre. C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de rigolo? Je me prépare un tour rigolo. Il me draine mon mana, bah super, super ta vie frère.
Est-ce que je suis vraiment chiant à ce moment-là? Allez hop. Allez merde, je suis complètement con. Du coup, je vais pas faire ça. J'ai pas du tout le temps. On va voir, c'est safe. Hein. Mais qui se chie instantanément dessus. Tout va bien. Tout va bien. Je maîtrise la situation. Ça se voit pas, mais je la maîtrise. Bon, ça se voit vraiment pas. Hein. Actuellement, il peut rien me faire. Bon, je vais essayer de le bourrer, hein, plus que faire le con. Allez. J'aurais pu essayer de farmer les cœurs, mais ça aurait été loin, je pense. Je pense que ça aurait été très très bon de farmer le cœur. Alors, c'est mardi. La situation n'est pas maîtrisée, mais si, bien sûr que si. Push Alfront Row Enemy. Ah, ça va être Navy Bean, destroy a column of tides. Bon, les deux m'emmerdent, hein. On va dire que ça peut éventuellement être utile. Je sais pas. Les moves sorts que tu ne dépenses pas sont gardés pour le combat suivant. Non, le mana est remis à zéro à chaque fois. Oula, les mouches explosives. Comment ça marche, ça? Je suppose qu'il faut... Ah. Alors, si je suis pas trop con, je suppose qu'il faut les tuer avant qu'elles soient devant nous. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec ce board de mort? Cela dit, au moins avec ça, je serai tranquille. Hein. Si on va faire ça, du coup, comme ça je pourrais les push. Voilà. Alors, est-ce que je peux préparer beaucoup d'os? Non. Du coup, on va chercher, hein. Juste le tuer lui. Tac. Ah, je me suis quand même pris les dégâts. Mais comment ça marche, alors? Attendez, si... Alors, c'est vraiment pour la science, parce que je sais pas comment il marche. Si lui, je lui fais mal, là, d'aussi loin, il va me faire mal, aussi? Non. De loin, il me fait pas mal. Donc, plus il est proche, plus il va me faire mal. Putain, c'est chaud. Pourtant, il était pas proche de moi, là. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Le jeu n'est pas clément. Complètement inutile, hein. Mais c'est plaisir. Du coup, là, si je fais ça, ça la repousse ou pas? Ah ouais. Très bien. Intéressant. Du coup, je vais peut-être faire ça. Je vais faire une ligne de caca comme ça, si jamais je lui fais mal, au moins lui il pourra pas me faire mal. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais préparer les os. Les os, pas les os. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas ton copain. Je te repousse. Oh, j'ai fait une combo sans faire. Oula, oh, tu te calmes. J'ai pas fait exprès, moi, hein. Hop là, bon, ça c'est fait. Voilà, il était trop lent pour me faire mal. Ok, d'accord. Bon, on apprend encore. Je pensais vraiment pas redécouvrir encore des ennemis, mais ok. Cool. Ils font quoi déjà? Ah, je sais plus ce qu'ils font. Bon, on s'en fout que je fasse 6 dents, il restait un ennemi. Arrêtez de faire chier. Putain. Ils disent, ah, mais tu pouvais faire ça à 53 os. Mais on s'en fout, il y a un ennemi qui a un PV. Vous avez vraiment les problèmes dans votre vie, hein. Faut faire attention à vous, hein. Alors, putain, il y a beaucoup d'ennemis, cela dit, là. C'est trop lourd. Très bien. Alors, oh, comment est-ce qu'il fonctionne? Je me souviens plus du tout. Je sais pas, on va se prendre la tête. Hop. Actuellement, je peux en tuer deux. Tac. Voilà, comme ça, moi, c'est fait. Personne n'attaque? Personne n'attaque. C'est quel plaisir. J'ai pas besoin de faire plusieurs dents, là. Sauf si j'arrive à en faire 53, ça dit. Ça me prendrait 3 tours, c'est un peu con. Non. Non, je veux pas faire. Je veux pas jouer au con. Ça sert à rien de jouer au con. Voilà.
quelque chose d'intéressant là. Je peux me protéger d'une éventuelle attaque. Bienvenue dans Isaac. Hein. Il sort quand le jeu sort demain. Demain le jeu sort, donc selon pas longtemps. Tout va bien. Mais sachez que si vous le précommandez, normalement il est à 15% moins cher. Donc si jamais il vous intéresse et que vous voulez moins cher que son prix original de sortie, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher maintenant. Mais c'est tout de suite. Je vois rien d'intéressant en affaire. Voilà. Ouf, hein, pas ouf. Pas mieux faire. Voilà, là c'est bon. Là on s'amuse. Et Bumbo, est-ce que tu peux attaquer une mouche? Normalement tu peux. Oui. C'est bon. Easy. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément très très. Je me sens pas très très sécure à cause du fait que j'ai que un point de vie et demi. Heroes, your current mana, métronome. Ah, on sait pas ce que ça fait, métronome. Ça, en vrai, ça peut être super, ok. Encore un monstre que je connais pas? Vous avez arrêté de nommer des monstres que je connais pas tout le temps? Oh merde. Tu veux faire quoi? Pourquoi il y a des yeux? Ils font quoi les yeux? Moi j'ai peur. Myrthe. Myrthe. Attendez deux secondes, hein. J'essaie de voir si je peux préparer une grosse attaque. Ah! Je crois que je pouvais préparer une grosse attaque, mais que du coup je peux plus. C'est pas grave, je le fais quand même. Toujours dans l'esprit du plaisir. Alors il est bien le jeu que tu as eu en avance? Eh bien écoute, oui, Speedrun. Pour avoir, il est cool. Merci beaucoup. Alors. Hop, et de 1 à... Bah du coup je fais quoi? Je l'attaque lui? Non hein. J'ai peur. Quoi? Non mais si on m'explique pas comment marche le boss aussi. Mais attends, ils sont invincibles là? Qu'est-ce que c'est cette bite? Mais comment est-ce qu'on peut savoir ça? Mais si vous expliquez pas les gars. Vous expliquez pas votre jeu. Je suis mort en fait. Je suis juste mort. On est d'accord que je suis mort. Putain, quelle super partie. Ah, c'est la découverte des jeux. Hein. Quand on découvre un jeu, généralement on prend cher. Hein. Mais je vous avoue que je suis pas forcément très content de découvrir sur de cette façon. J'adore rire. Je suis pas forcément super content là tout de suite. Hey, déjà 3 mois d'abonnement avec Twitch Prime. Le temps passe vite, j'arrive en plein milieu du livre. Ce jeu a l'air sympa. Peut-être que je me le prendrai. Il est sympa. Merci beaucoup, Starcio. Si je fais ça, est-ce que c'est le décale? La réponse est non! Yes! Merci Starcio pour le tweet, Frame. On s'éclate là, hein? On passe un énorme moment de plaisir. Je suis pas du tout en train de crever, hein? Aïe aïe aïe. Et on apprend de la façon la plus difficile, hein? C'est ça la vie. C'est comme ça que ça marche. Ah mais je suis mort. Ah je pensais que j'avais de toute façon j'avais aucune chance de m'en sortir. J'avais aucune chance de m'en sortir, hein, clairement. Mais est-ce que je peux avoir un boss que je connais? Est-ce que dans... oui. Je pense qu'en fait ils ont fait une mise à jour juste avant un qu'on ait le droit de streamer. Joyeux anniversaire à moi. Merci Zazonzou. À moi. Merci Zazonzou. Je pense que Edmund Lopinel est tellement un petit bâtard. C'est tellement un petit bâtard qu'il a fait une mise à jour juste avant qu'on puisse streamer le jeu, histoire qu'on découvre des nouveaux boss pendant qu'on stream le jeu. C'est vraiment un petit bâtard, Edmoul. Hein. Ou alors j'ai vraiment pas eu de chance dans mes trois parties de test, où j'ai eu toujours le même boss. Je pense vraiment que c'est ça. Il est vraiment bâtard, hein, c'est vraiment un bâtard, Macmillan. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Bon, on commence comment? Comme ça.
Et c'est toi qui vas te calmer. Parce que toi, sinon, tu vas faire des petits caca. Et ça m'emmerde. Et c'est vrai qu'il y avait ça devant. C'est vrai qu'il y avait ça devant. Sensationnel. Je rappelle que le jeu est récent. Et que je suis. J'ai fait Persia, Persia, et tu as eu le jeu. Génial, non ? Visage tirant la langue. Dans Cybers. Bon, bah ça. Hein, c'est sympa, hein. Je prépare mon prochain move. Ça sert à rien ce que je viens de faire. Quoi qu'il en soit, je vais pas attaquer le mec. Je vais juste faire ça. Parce que si j'attaque là, je me prends le poison. Du coup, ah ouais, j'ai fait un coup critique. Ça existe les coups critiques dans le jeu ? C'est incroyable tout ce qu'on apprend. On apprend en s'amusant ! Est-ce que je peux préparer un truc de bâtard ? Est-ce que c'est possible ? Non. Avec ça au moins je suis en sécurité. J'avoue que n'ayant pas connu tes moments de découverte sur Isaac, c'est étrange de te voir en roue libre sur un nouveau jeu. Ah bah c'est sûr que par rapport à ma confiance habituelle sur The Manigo Isaac, là on est clairement sur un mec en PLS. Hein. Un mec en grosse PLS. Mais en même temps, il fallait s'en douter hein, que ça allait se passer comme ça, c'est normal. Mais c'est moi j'aime bien, c'est rigolo. Ça fait plaisir justement de galérer un petit peu sur nos jeux. Bon lui il va me faire mal mais il va taper dans mon TK. J'adore Isaac pour ce genre de moment. Ah mais c'est ça le problème, il va faire de plus en plus de caca. Faut que je réussisse à faire des combos avec des os. J'aurais dû le faire ici en fait. Mais voilà. C'est bien. On gagne un move. Ensuite. Est-ce que je peux faire quelque chose avec des os là ? Je peux encore rien faire avec des os. Des os, pas des os. Je le préparerai le prochain tour. Prochain tour, je devrais l'avoir. Quel relou! Il m'emmerde avec son nuage de caca là. Toi déjà, tu t'en vas. Arrête tes bêtises. Oui, Bumbo Smash, mais plus tard Bumbo Smash. Je veux pas me prendre le nuage de mort dans la gueule. Oh mais quel chiant! Qu'est-ce qu'il est chiant! Attendez. Je vais le bait et normalement c'est bon. Je fais ça. Comme ça il fait rien. Et au prochain tour je l'ai. Au prochain tour je l'ai normalement si tout se passe bien. Oui, c'est bon. C'est le temps d'apprentissage est quand même vachement tard. Hein. C'est comme quand on commence Isaac, on est en PLS au début, non mais les débuts d'Isaac. Vous regardez n'importe qui commence un jeu Isaac, il meurt avant d'avoir atteint le premier boss généralement. C'est toujours très drôle. Stopwatch, any moves slower. D'accord. Turn the dial into a heart. Oh. Ah bon, c'est pas laquelle. Du coup, je dirais la stopwatch. Stopwatch peut être plus intéressant. Je pense que les boss, c'est très intéressant ça. Après, je me trompe peut-être, hein. Ouais, on a 3 spawns en racket, faut que je les tue très vite. La combo, je me suis dit, il faut que j'y aille. La mouche elle est au-dessus ou pas? Je crois que la mouche elle est encore derrière. On va tuer l'un des droits.
Voilà. On va se démerder avec le reste. Il est déjà le dispo, je pense, encore. Il est dispo demain. Si je fais ça, comment est mon board? Je peux pas faire grand chose de ouf après. Je reste comme ça. Juste pour protéger. Ah oui, mais il va peut-être pas attaquer. Il va... Ah bah nice, ok, très bien. Il va peut-être juste faire des caca. Merde, la mouche est devant lui du coup. Putain, faut vraiment que je me fasse à sa mécanique. Hein. Voilà, 2-1. 2-2. Et 2-3. Est-ce que tu prends ça? J'adore rire. J'aime ça. J'ai actuellement le seum. J'essaie de faire des combos. Oh putain! Oh, je veux trop voir ce que ça fait lorsqu'on en met 7 d'affilée de ça. Je sais pas ce que ça fait donc je veux voir. Wow, wow. Plus de 1000 boules! Merci beaucoup, c'est tout le monde. Merci beaucoup! Des bisous! 1000 boules magiques pour fêter ton exclu pour le jeu Cotillon Confetti. Voilà. Ok, ah oh, trop bien! Ça fait ça sur tout le monde, c'est bien ça. C'est puissant. J'apprends. On apprend tous les jours à Keep au quiz, n'oubliez pas. Merci encore pour les 1000 bits. Speed to learn. Ça va, au final j'ai peut-être misplay mais c'était pour apprendre des choses. Oula, 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 beaucoup de gens là. Oula, 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 oula. Très bien. Attends. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant à faire? Tout simplement inouï. Merci beaucoup de music. Gérard l'argent dit bonsoir, je passe sur le live donc petit don. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. Merci pour ton petit soutien. J'essaie de préparer genre un set dents, mais ça va être très très dur à faire et je pense que c'est une grosse connerie parce que je vais me prendre tous les coups de monde. Du coup j'ai fait une connerie. Heidi de Noopsy. J'aurais enfin une grosse connerie, putain. Bon, on n'est pas la première, hein. C'est pas la première, pas la dernière, hein, mais c'est pas... Putain, en plus, je suis personne, Alex, hein. Voilà, je suis dans la grosse merde. Des miracles. Aucun miracle. Absolument aucun. Encore un miracle. Ah. Est-ce qu'on peut vraiment parler de miracle? Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Oh, ça peut être intéressant. Ah non, je suis... Ah, pas du tout. C'est vrai que c'est par 4, pas par 3. Vie de merde. Oh, je peux rien faire, je peux vraiment rien faire. Je peux vraiment rien faire, ça vous êtes en train de me dire. Putain, mais quel plaisir, hein. Quel plaisir. Bon, soyons... Soyons toujours malins. Dans l'esprit du plaisir. Ça veut dire que mon prochain tour fait beaucoup plus mal. Et regardez. Regardez ce que j'ai préparé. Je passe juste donner mon sub pour éviter de le spoil XD des bisous. 3. Merci beaucoup, Chablado. Regardez. Ça, c'est malin, ça. Ça, c'est malin. Take damage to save time. Ça, c'est malin. Ça, c'est croquant. Voilà, ça qu'on veut. Let me smash. Voilà, ça c'est beau, ça. Ça qu'on voulait. Alors, du coup... Soyons malins. Ça c'est malin, ça.
Hop, mange d'abord. Bon, ça va être difficile d'avoir des... Difficile d'avoir des cœurs, là. Je peux juste le tuer, hein. Après, en soi, je peux essayer de spawner les cœurs pour être safe, mais... C'est très chiant. Bon, ça va être chiant. Je vais le tuer. Parce qu'il faudrait que je l'en finisse pendant 2 heures pour avoir des cœurs. C'est relou. J'aimerais bien tuer un boss quand même à un moment. Skip to next chapter. Oula, jamais. Void Rage, your next attack will be critical. Oh. Très intéressant ça. Pouvoir faire un critique, c'est bien. Ah, voilà. Lui, je le connais. Voilà. Aïe aïe aïe. Alors, lui, je le connais, mais je sais pas si je vais pouvoir le battre. Il va falloir que je joue finement, dès le départ. Autant dire que c'est pas gagné. Lui, le meilleur moyen de l'avoir... Le meilleur moyen de lui faire très mal... J'ai juste un truc. Non, ça marche pas. Je perds juste des choses. Mais je sais que je peux faire 5 dents, mais c'est pas intéressant là, 5 dents tout de suite. C'est vraiment pas intéressant. J'ai des stratégies. Il faut savoir que moi, mon coup le plus intéressant actuellement, c'est Bumbo Smash. Bumbo Smash, ça permet de faire 4 de dégâts directs. C'est pas dégueulasse. Après, là, c'est vrai qu'en soi, je fais 3 de dégâts. Ouais, je fais 4 de dégâts avec 5 dents aussi. Hein, mais... Et après, ça me fait mon reroll puzzle board. C'est juste que j'essaie de voir si je peux pas setup quelque chose de bien avec mes os. Si je peux pas setup, genre, un truc bien vénère. Mais ça a l'air compliqué. Je regarde vite fait comment ça donne le terrain là, comme ça. Non, c'est pas ouf. Et là, comme ça. Ça peut être intéressant éventuellement, mais pas, même pas. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ça, vous êtes content. Yeah. Yeah. Est-ce que mon terrain est intéressant ou est-ce que je peux le reroll d'office? Ouais, je peux le laisser comme ça pour le moment. Ah oui, c'est chiant ça. Le reroll. Voilà. Très bien. Ah oui, c'est vrai que lui il a 2 tours, donc si je fais... Ah oui, il a 2 tours, mais... Ok, maintenant je fais ça. Ok. Je regarde juste... C'est bien, ça setup mon os. C'est très très bien. Très très bien. Très très bon premier tour. Enfin, très très bon premier tour. C'est pas le premier tour, mais vous avez compris. Ok, parfait. Je vais faire ça. Ça, c'est très bien. Ah, dans sa gueule. Bim. Toi, je vais te détruire. Parce que ça va me faire mal. Toi, je te détruis. Hop. Et je peux l'attaquer si je veux. Est-ce que je veux l'attaquer tout de suite? Je peux attendre le prochain tour pour attaquer quoi qu'il en soit. Par contre il m'a chié à la gueule, putain. Je le déteste. Bon, on va faire ça. Ah mais il est mort! J'ai pas vu que je l'avais fait déjà aussi mal. J'ai pas vu que je l'avais fait aussi mal déjà. And with him, final bit of punch time. Bumbo smash, big bad guy into bed. Tu fais des doigts. Finally, Bumbo. Coin. But Bumbo noticed a thing. Weird box in back of room. What in there, Bumbo think? Spider with long butt? Big long bone? Bean with magic powers? It a mystery. With no thinking, Bumbo bash open scary box. What is? Another Bumbo? Another what Bumbo? A twist! On a trouvé un nouveau Bumbo, on a un nouveau copain, ouais. Ça c'est beau, on a un nouveau copain, Bumbo the Nimble. Bumbo qui pique. Et les 4 rounds unlocked. Ah, on découvre des nouveaux ennemis, très bien. J'ai fini? Ah oui d'accord, ah oui donc on est vraiment pas du tout dans le même... Ah oui, ah donc la mise à jour avant de streamer effectivement elle est importante. Ah oui, d'accord.
Ah oui, non, parce que moi je pouvais déjà faire 3 étages dans l'Early Access. Ah là, maintenant, ok, très bien. Bon écoutez, des débuts difficiles, mais on a fait le premier chapitre. Alors la question est-ce qu'on continue avec Bumbo ou est-ce qu'on essaie Bumbo's Nimble? Je sais pas, à voir. Normalement, il y a des étages après, hein. C'est comme Binding of Isaac en vrai. Binding of Isaac, vous commencez, vous tuez maman, puis ensuite vous tuez son cœur, vous tuez tout ça. C'est évolutif. C'est Edmund McMillan après tout. Bon bah écoutez, des bisous YouTube, à très vite.